Bon ben voilà, les amis, ça y est, c'est le grand jour. Vous la reconnaissez, hein, y en a qu'une. C'est la belle, c'est la nôtre. Le peuple marseillais. Et là, on est dans le moment incroyable. On va rentrer à l'intérieur des vestiaires. C'est par ici. Regardez, juste là, juste là-bas. Il y a le terrain, il y a le terrain. Il va être énorme, il est immense. Hein. Le stade est magnifique. Et je vous emmène eh bien, dans notre vestiaire. Franchement pour moi, mais c'est un kiff mais extraordinaire. Je suis en train de réaliser un rêve de gosse absolu. C'est juste là. Juste la porte. Vestiaire, visiteur. On y va. Wow. Et voilà. On y est. C'est ici. Il y a tous les maillots qui nous attendent. Et là, on a notre coach. Bengouz. Donc je pense qu'on va pas s'ennuyer. Allez. Donc. Benjamin. On a la liste des joueurs ici, je peux leur attribuer les numéros. Lévi Grelot. Yes. Ok, Lévi Grelot, tu vas prendre le numéro 3. Bousquet, mon pote, tu vas pas commencer, c'est parce que tu es champion d'Europe ou champion d'Olympique. Que là, c'est parti, hein. Donc, Bousquet Frédéric, numéro 9, tiens. Je le voulais. Numéro 9. Bon les gars, ça y est, j'ai récupéré le maillot, il est là. Numéro 6, on va mettre ça. Il y a le t-shirt qui va bien et les chaussettes. La pression commence à monter doucement parce que le match va être énorme. Comment tu le sens? Écoute, moi je sens que toi, hein, tu vas faire plaisir à ta communauté. Mais je kiffe tellement déjà. Et je te dis, t'as le ballon, tu rien à cirer, tu tires. Je tire. Tu tires. Frappe automatique. T'essayes juste de cadrer, peu importe la puissance et tout, tu tires. Au pire des cas, croisé sur les côtés. Classique. Enfin, c'est comme ça qu'on pense dans nos têtes. Vous avez compris l'idée? Allez, on va essayer de l'appliquer ça. On va essayer de tirer sur toi avant. C'est clair. Eh bien ça y est, là on arrive, le match commence dans 2 heures environ et là maintenant c'est le moment de la conf de presse. Regardez, c'est ici. Vous là, vous avez compris ou pas? Surtout les adversaires. Il n'y a pas conf de presse? Juste, ça va les gars tranquillement? Vous avez bien dormi cette nuit? Ok, je vais pas parler avec nous, c'est pas grave. Ok, si vous avez des questions, c'est maintenant. Ah, bonjour Céane, tu viens d'arriver? Bonjour. Ça y est, on y est. Alors, c'est dans un petit peu moins de 2 heures maintenant, mais vous pouvez voir ce stade qui est absolument monumental, absolument magnifique, vraiment, et gigantesque aussi, hein, il va falloir courir et se déchirer, mais alors, violemment. Bref, eh ben, je suis chaud bouillant. Voilà, c'est mon rêve de gosse qui va se réaliser. En plus, tout ça, vous le savez, c'est pour une bonne action, hein, pour l'association César Enfants sans cancer. Et donc, on va tout donner pour essayer de l'emporter, mais avant tout, prendre le maximum de plaisir. C'est dans quelques minutes que ça commence. Je suis chaud, ça y est, je suis équipé. Hein. Regardez. Voilà, de la tête aux pieds. On est bien. On n'est pas là pour rigoler. On est là pour l'emporter. Droit au but. Les gens qui sont derrière là, les autres, tu sais, c'est des mecs comme nous, ils ont deux bras, deux jambes. À un moment donné, il va falloir tout donner. Ceux qui ne savent pas jouer au ballon, on a vu avec qui, comment ils s'appellent ? À vous. Nous, on va se voir après, hein, on m'a dit. Je préfère qu'il pense que je sois nul. T'inquiète pas, je pense qu'il est pas prêt. Force à vous. Libérez à vous. Non, voilà. Bon, l'essentiel, c'est qu'on se régale tous ensemble. Je pense qu'avec mon adjoint, je vais faire un petit changement durant le match. Je vais le faire entrer. Moi, je me sens pas trop de jouer, vu le gras que j'ai. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas perdre. Et à un moment donné, les mecs, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes chez moi, ici. Vous êtes dans la propriété privée de Marseille. Vous les connaissez, les amis, vous connaissez, on est chez nous, vous savez très bien.
Donc à partir de ce moment-là, je veux qu'on ait une victoire impérative. Donnez le maximum que vous pouvez. Il sera interdit, interdiction, de perdre contre des Parisiens, monsieur. Voilà. Je le répète encore une fois, il est interdit de perdre contre des Parisiens, monsieur. Hein ? Certes, on n'est pas tous des Marseillais, mais là, on est ensemble. C'est-à-dire qu'on est un groupe, on est tous unis, tous ensemble. Hein ? Donc on est là pour se donner la force, on est là pour se régaler, éventuellement se faire encadrer ceux qui ne sont pas contents. Hein, mon gars ? Filme bien, toi. Donc voilà ce que je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit encore une fois. Prenez du plaisir, régalez-vous. Quel ami. Bon, après les minots de l'OM, je sais que vous êtes ça. Ça va. On est où, messieurs, ici ? À Marseille ! On est où, ici ? À Marseille ! Allez, allez, allez. Mais oui, capitaine. Mais, oui, mais bien sûr. Allez. Tout est là, bien sûr. Jouer tous les jours ensemble. On en a rien à foutre. Allez, droit au but. Allez, on est à 10 mètres à peine de rentrer dans le Vélodrome. Regardez, le stade Orange Vélodrome qui nous tend les bras. Gardien, Lévi. Ça va être cool, ça va être cool. Comment tu te sens là ? Bien, un peu excité. Un peu beaucoup quand même. Beaucoup, bien sûr. Ça va être cool les gars. Tu vas multiplier les arrêts. T'as Thomas Price. Thomas Price. Voilà, c'est notre Thomas, c'est notre Thomas, Thomas Price. J'ai pas la casquette. Ouais, mais tu vas être au top. Les Allez. Les gars. On est où ici ? À Marseille. On est où ici ? À Marseille. C'est des quoi eux ? Des pâtés. Merci de nous respecter les gars. Allez, allez, gars, allez, c'est parti, ça rentre les amis. Allez les gars, allez, ça rentre. Allez les amis, on rentre sur la pelouse du Vélodrome. Wouhou ! Allez, on est parti. Stade monstrueux, Orange Vélodrome. Le rêve, les amis. Le rêve. Voilà, je viens de sortir du terrain. C'est pas évident, hein. Le stade est immense. Il est immense, ouais. Et puis les mecs se connaissent super bien. Comment t'analyses là, ce début de première mi-temps? On est sur le banc, mais on voit que tout le monde était KO à partir de la 30e seconde. On a vu que tout le monde était... Deuxième mi-temps, on fait rentrer tout Marseille. C'est ça. Et voilà, c'est tout le peuple phocéen qui rentre. Attends, il y a pénalty là. Il y a embrouille sur le terrain. On est en train de se faire voler le match. Et la VAR. Actuellement, on veut la VAR. On demande de la vérification vidéo, bien évidemment. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est une arnaque, c'est une pure arnaque ! J'ai vu de mes yeux ! Et je porte pas des lunettes pour rien ! Et puis il pleut pas, en plus ! Eh ben non, mais non ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est le haut, quoi, keep this brace ! Allez, c'est parti ! Ouais ! Ouais, gardien ! Mais oui ! Mais ouais, c'est ça, on est champion du monde. Ah non, c'est pas encore ça. On est toujours mené à zéro, mais belle arène notre gardien. Lâchez rien, les gars, lâchez rien. Allez, on a notre coach, là. Faut les motiver, là. Faut les motiver. Superbe, superbe. Il m'a régalé, frère. Bien sûr. Allez, les gars. Allez, gardien. Montez un peu, je peux. Je touche le moment du match. Envoie demain. Moi, je pense que c'est le tournant du match. Il n'y a que 1-0, tout est possible. Bien joué! Tu as arrêté le pénalty tournant du match! Bravo les gars! Bravo les gars! Bravo les gars!
fait l'analyse d'un véritable champion. Écoute, sur cette partie quand même. On a tout donné, on les a observés la première mi-temps, on les a mis en confiance. Tactique. En leur laissant le premier but. Et derrière, on a retourné le cerveau quand il a arrêté le gardien. Tournant du match. Pénalty. Le pénalty tournant du match. Lévy au top. Voilà. Et derrière, à l'usure. À l'usure. 3-1 à l'Orange Vélodrome. 3. Hein. Que demander de plus? Pas mal. Mais oui, la force. Allez, on va aller serrer la main à l'équipe du Vinsky FC qui a quand même super bien joué. Bien joué les gars. Bien joué mec. Merci encore. Bien joué les gars. Bien joué. Bien joué. Mais oui. Mais oui. Mais oui. On a gagné Orange Vélodrome. Ça c'est bon. Ici, là. Ici, premier match, première victoire. C'est ça qu'on aime. Droit au but, les amis. Droit au but. Wouh. Bon, le débrief. Ouais, bah, alors, ce match, bon match, franchement. Difficile. On est rentré dans le match petit à petit, mais une fois qu'on s'est trouvé, qu'on se connaissait mieux. Bien joué, les gars. Bravo, en tout cas. Bah, vous êtes une super équipe. Hein. Bravo, bravo, bravo. Bravo, mec. C'était un plaisir. Bravo, c'était allez, un plaisir. Allez, l'OM. Eh, mais mec, premier match à l'Orange Vélodrome, première victoire. Ça en amène d'autres. Là. Ça en appelle d'autres. Bravo, oh, mec. Oh mon dieu, caméraman. C'était bon. Oh, c'était bon. Eh bien, voilà. Ça y est. Ce moment incroyable est fini maintenant. Il y a quelques minutes encore, j'étais dans l'Orange Vélodrome. J'ai vécu vraiment mon rêve et je tenais à remercier mais infiniment Vinsky et toute son équipe qui ont permis de rendre ça possible. Et peut-être aussi vous qui avez regardé le live. Alors évidemment, bon, techniquement et tactiquement, je ne suis pas le plus grand joueur de tous les temps, mais j'étais là pour prendre du plaisir avec toutes les personnes qui étaient là dans la Team All-Star. Nous, on s'est mais littéralement éclaté. Et puis en plus, à la fin, il y avait la gagne. 3-1 quand même, mine de rien. Bon, alors tout à fait entre nous. On est au courant, on a été quand même bien aidé par les minots de l'OM. Mais justement, ils ont été droit au but. Et moi, je garderai ça comme une expérience absolument géniale. Voilà, dans mon cœur de gamer, mais avant tout dans mon cœur tout court. Hein. Moi, vous savez, quand j'étais petit, j'avais deux passions essentielles. Le jeu vidéo, évidemment. Mais aussi le sport, le foot et l'Olympique de Marseille, quand j'étais tout minot. Et bien voilà, tout ça s'est réuni et ça fait grand plaisir. Allez, on se retrouve très très vite bien sûr sur la chaîne pour des vidéos plus jeux vidéo évidemment. Mais quel kiff encore énorme et merci vraiment à vous qui avez suivi ça sur mon Instagram, Twitter et aujourd'hui eh bien sur ma chaîne YouTube. On se retrouve très très vite car je crois que vous l'avez compris, à chaque fois que je fais des choses comme ça un peu exceptionnelles, et ça je vous le dois, et ça je le sais, et ouais. Meilleur joueur. Il a fait tout le match. C'est gentil. Toi, t'as gagné avec Vinsky, hein? Non, j'étais avec vous, moi. Mais je sais. Mais t'as gagné avec la vidéo technique. Vinsky. Et en tout cas, je tiens à remercier Vinsky, Patou, toute l'équipe du Vinsky FC, même mon équipe All-Star, je remercie tout le monde. C'était vraiment un truc de fou. Un truc de fou, hein. Ça restera à vie, hein. C'était un truc jamais. De malade. En tout cas, merci à tout le monde, merci à vous tous. Et le meilleur joueur, il est là? Non, il est là. Mais oui. Elle est là. Le petit débrief quand même final de ce match qui restera dans l'histoire, quoi. Le petit débrief de ce match. Ils ont été formidables, les deux équipes, je trouve. Et le voilà. Et j'ai été très heureux surtout, de. Surtout les hosts. Surtout les hosts. Surtout les hosts, ouais. Ouais, voilà. Les hosts. Bon, on a gagné. Ouais, on a gagné. On a gagné pour vivre l'OM quand même, hein, parce que c'est grâce à eux. Hein. Ouais. Merci aux les minots, les minots de l'OM, ils nous ont bien aidés. Ils nous ont sauvés, ouais. Parce qu'on était quoi? On est ceux qui marquent les 3 buts, non? Alors voilà, okay. C'était comme ça que cette vidéo devait se finir. Mais en tout cas, on se retrouve très très vite. Et dès que c'est fou, c'est sur la chaîne. A très bientôt les amis. Ciao. Et merci, vous me faites vivre des trucs de fou.